moitié d'une journée. Il s'est couché vers les 14h, si et vers le midi, s'il s'est réveillé vers les 17h, pour lui c'est une demi-journée. Il a fait. C'est ce qu'il a compris. Kala bal labista mi'ta'am. Ondo ila ta'ami. Va regarder te manger. Lam yatasanna. Ay lam yataghayyar lawn. Ça n'a pas tourné. Ça n'a pas duré 100 ans. Le raisin était là. Les fruits, ils étaient là comme si on les a accueillis hier. Et nama amrubu ila arada shay an yakula la. Maintenant tu vois ça? Oui. Regarde maintenant sur ton âne. Il est où? Kassara Izamen. Ce n'est que des os. Urufatan. Mais anciens. Remimen. Tout à Hawaï presque. Dieu a réveillé cet âne devant Uzaïl. Il a vu ce qu'il a vu. Falamma tabayyana lahu. Lorsqu'il a vu la vérité, qala a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Hada huwa al-iman. Il a dit, je sais que Dieu est capable de tout. Et or, il est capable de tout. Wallah, il est capable de tout. Fa akhad faraja. 100 ans passés, il est revenu. Il a trouvé que ses enfants, ils étaient tous morts. Il restait 2 personnes. Sa servante, Ashtar. Mais elle ne voyait plus. Elle n'entendait plus. Elle a dépassé l'âge. Elle est partie loin. Ou Ibn Huhira, son dernier gosse aussi était vieux. Ou Aïdan Darir. Il ne voyait plus rien. Ozaïr, il vient à la maison. Il demande aux gens, Aïna Mahal Ozaïr. Où se trouve la ville de Uzaïr, son foyer? Mais les gens ne connaissent pas Uzaïr. Ça fait 100 ans qu'il est parti. 100 ans, les générations ont passé. Personne n'a pu le suivre. Il y a quelqu'un qui lui a dit, Yugad hunak mahal yusamma dar Uzaïr. Là-bas, on appelle là-bas dar Uzaïr. Le foyer de Uzaïr. Mais nous, on ne le connaît pas. Il est un jeune homme de 40 d'années. Comme il est parti, il est réveillé comme ça. Il est revenu comme ça. Dieu ne lui a pas rajouté, il ne l'a pas enlevé. Comme il s'est couché, il l'a réveillé comme ça. Inna ansha'nahunna insha'an. Faj'alnahunna abkaran 'urba. C'est ce qu'il dit aux femmes. Parce que lorsque le prophète a parlé des femmes du paradis, les femmes d'ici ont eu un peu de jalousie. Et nous, ya Rasulallah, qala inna ansha'na hunna insha'an. Allah dit, je vous refabriquerai. Faj'alna hunna abkaran 'urba. Je vous ferai des femmes, des jeunes femmes de trentaine. Ataban li ashab al-yamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min ashab al-jannah. Ja Uzair, wadakhala dar. Uzair est venu, il est rentré dans sa maison. Qala assalamu ala ahl hadha dar. Sami'a waladahu hadha sawt. Son fils a entendu son nom, cette voix. Qala ka annahu sawt abi. Al-Uzair. On dirait c'est la voix de mon père. Yawma kharaja anna. Comme le jour où il est sorti. Laitani arahu. Si je pouvais voir. Qala ana al-Uzair. Il a dit, c'est moi Uzair. Qala la. Tu n'es pas Uzair. Mon père est sorti d'ici, ça fait 100 ans. Afta. Allah asma'aha. Afta aussi a atteint. Qalat. كأنها صوت سيدي الأزير. On dirait c'est la voix de Uzair. Uzair lui a dit, أنا أنا أزير.
أزين؟ سموها أزين. قال قالت عفتة ستبتكر يا أبي حنيفة. كان أزين مجاب الدعوة. أزين كان يدمني كلكش إلى بوكى الله أقبلته tout de suite. لو رأيتك قال si je pouvais te voir, si je te vois, j'allais te reconnaître. قال اللهم رد إليها بصرها. قل ملا سبحان الله. هو عزين عزين من أمة موسى. وفما بالنا نحن أمة محمد. ألا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة. La femme a automatiquement entendu, il a tout vu, ses yeux s'est revu. Il a revu et elle est revue. Elle est revenue en vie. Son fils aussi qui était là est devenu automatiquement. Il voyait, il attendait. Il regarde à son père et il a dit, Qamat al-dunya am nahnu fi khalq al-jadid. C'est le monde qui est terminé. Nous sommes fil akha ou bien nous sommes revenus dans le monde encore une deuxième fois. Hada Abi Uzayn. Waqifun amami ka yawma kharaja anni. Il est là jeune comme le jour où il est parti. Et la femme aussi l'a reconnu. Qala ana Uzayn. C'est moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a expliqué. La femme lui a dit, Kana Sayyidi Uzayr, Yahfaz al-Tawrah an Zahar Qalb. Wal Nas al-Yawm Ya'ishuna biduni Tawrah. Les gens vivent aujourd'hui sans Torah. Et lui, il avait le Torah dans la tête. Isma'u ya ahwati. Al-Muslimun al-Yawm ala wajhi al-Ard. مليارين قد بلغنا مليارين يقولون أننا مليار وستمائة وخمسة وستمائة ألف هذا بوكتان سي باسكي يبال با نو كومباري اون في 2 مليار parmi les 2 مليار je peux jurer وانا في بيت الله الحرام في بيت الله je suis dans la maison de Dieu وعلى منبر الرسول والله que l'islam Si on réunit tout le Coran du monde entier, on le brûle aujourd'hui, ce soir. D'ici demain matin, vous verrez 1 million de Coran qui vient de Fissoudou. Et là, il n'y a qu'un seul qui l'avait. Nahnu ummatu khayr. Bisidq qawlin min Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes les meilleurs. Si. Et si on est les meilleurs, ça se mérite. Ça se mérite en quoi? Illatul khayriya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ah, parce qu'on se donne des conseils. Vous me voyez, Hassan, ça c'est haram. Aïwa, c'est haram. Oui, et je te demande, je ne vais pas vous adresser. Je vais vous demander, ma dalil. Vous me ramenez un dalil. La ouvani, atrukuhu khalas. Li anani la uridu an-nar. Je ne vais pas rentrer à l'enfer. Sauf si Allah Karim. Watanhauna anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Wa tu'minuna billah. Hilat al-khayriya salasa. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa al-iman billah. La femme lui a dit, les gens vivent aujourd'hui, il n'y a pas de Torah. Qala Uzayr, ijma'u an-nas. Il faut appeler les gens qui viennent se réunir. Umli lahum at-Torah, kama anzalaha Allahu ala kalimihi Musa. Je veux leur dicter la Torah comme il est venu, comme Allah lui a envoyé à Moïse. À Moussa alayhi salatu wassalam. Et là, il l'a fait, les gens l'ont écrit. Walaytaha baqiyat kama amlaha. Si il pouvait rester, si
si la Torah pouvait rester comme Uzair avait dit, ورجت من أيدي المحرفين. Si il était resté, si elle était restée vraiment comme elle l'a dit, aujourd'hui on allait vivre avec un Torah vraiment complet. ولكن لا 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 هذا موضوع آخر. أما قرآننا نحن إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. Quand on regarde le Coran, même les virgules qui sont là, quand il y a discussion là-dessus, les ulama s'arrêtent net. La majorité, qu'est-ce que vous avez dit? On a dit ça, c'est ce qui passe. Pour toi, là, non, on n'avait pas. Parce que ce Coran qui se trouve ici en France, c'est le même Coran qui se trouve en Afrique du Sud. Le Coran qui se trouve là-bas, c'est ce qui se trouve en Afghanistan. Un seul Coran. ولكن اختلفنا في المعاني. On l'a pas pu l'interpréter comme ça se doit. لم نفسره كما فسره الرسول. On n'a pas pu l'interpréter comme le prophète a interprété pour ses sahaba. L'autre prend al-mujmal, il fait ça al-muqayyad. L'autre fait al-muqayyad, il fait ça al-mutlaq. L'autre fait sunna, il fait ça farida. C'est ça qui nous a mis dans les problèmes. Pourquoi j'ai dit à l'imam, j'ai parlé de Uzair? Allah lui a demandé, awalam tu'min, tu n'as pas le foi? Qala liyatma'inna qalbi. C'est pour que je puisse avoir la tranquillité ici. Il a eu la tranquillité. Ibrahim aussi l'a fait, il a eu la tranquillité. Et nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Je ne dirais pas que nous sommes afdal min Ibrahim, subhanallah, nahnu ala billatihi wa huwa abuna. Nous sommes sur son chemin, huwa millat abikum Ibrahim, huwa sammakum al-muslimin. Mais nous, la nahtaju ila dalil. On n'a pas besoin de dalil, de burhan, de preuve que Allah existe ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un prophète. Là, hujjatuna wadiha. Il est là, il est au complet. Innahu ummi. Mohammed ummi yunuwa. Lam yaqra wa lam yaktub. Il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais. D'ailleurs, quand il écrit le nom Mohammed ici, en gros, plus que son poteau, il ne peut pas le lire. Jusqu'à ce qu'il est mort. Il pouvait pas lire. Ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lataba al-mubtulun. Tu savais pas ni lire ni écrire. N'écris pas, reste tranquille. Le Coran qui était là, le Coran qu'on lit aujourd'hui, quand l'ange Jibril vient et lui donne le Coran, Mohammed, ce qu'il avait, il avait peur de ne pas tout garder. Mais Dieu lui a rassuré. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Mon frère, calme-toi. Inna alayna jam'ahu. Jam'ahu fi sadri. C'est moi qui va le garder là, dans ton cœur. Summa inna alayna bayana. C'est moi qui va t'expliquer comment tu vas l'expliquer aux gens. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه أحاديث الرسول الله lui a donné Allah nous a donné deux wahyayn وحي الكتاب ووحي السنة فقه السنة والله لو فهمنا فقه السنة كان si on comprenait vraiment فقه السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضيه الله comme le prophète nous a donné والله لما تعبنا on allait pas se fatiguer en disant هذا حلال وهذا حرام الرسول يقول هذا حلال الحلال بين والحرام بين les interdits sont clairs les ceux qui sont pas interdits aussi sont clairs وبينهما مشتبهات il y a des trucs qui sont là il y a des ressemblances. Donc,
ce qu'il nous a dit c'est halal. Mais allons-y, fil halal. Ce qu'il nous a dit c'est haram. Laissons ça. Ceux qui sont là comme des ressemblances, mais méfions-nous de ça. C'est tout. Khalas. L'islam est simple. Si on fait ça, il suffit de faire ça, tu es sauvé. Et toi et ta religion. Al-Iman, la bouddha de Yabouna al-Iman. Il faut qu'on ait la foi. Al-Muslim, al-Mu'min, qawiyum fi sidq imanihi billah. Il est fort de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lui couper la tête, mais il dira oui, ce qui est la vérité. Habibun Nadjar fi surat Yasin. Id arsalna ilayhim ithnayn, fa azaznahuma bi thalith. فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثم تستطرد الآية حتى قالت وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. Le gars qui est venu en courant là pour venir sauver les prophètes, il était lépreux. Les prophètes ont prié, lui il avait 70 ans, il adorait les idoles pour qu'on lui rende ses mains. Ils n'ont pas pu, 70 ans. En passant seulement, Assad, Kouan Masdou, Kouchaoun, ils se sont arrêtés, ils ont dit, nous sommes des prophètes. Des prophètes, vous adorez qui? Allah. Allah c'est qui? Ils l'ont expliqué. Un seul, oui. Mais moi j'avais 70 ans, je suis là en train d'adorer tous ces idoles-là, tous ces dieux-là. Mais ils m'ont pas rendu ma main. Ils ont dit Allah ou Ta'ilayhi Yabay. Il a guéri. Lui, lorsque ces gens sont, les prophètes là sont allés vers Medina, qu'il a fait Intakia, à la Ikhtilaf al-Riwaya, qu'il est allé à Intakia, ils ont dit, et non, il est comme ça. Nous, on vous a envoyé, mais pour vous prendre à la main, vous montrer le chemin. Oh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu, il y a eu des discussions, Bertissor, ils ont voulu les tuer. Lorsque Habib al-Najjar a entendu ça, il est venu. J'ai mis Aqsa al-Madina Tratulun Yasa. On trouve il a siyaq al-Qur'an. Comment le Coran parle? Rajulun, un homme. Idan al-Islam yahtaju ila raji. L'Islam a besoin d'un homme. Si vous, vous êtes un homme, lui, il est un homme, l'autre, c'est un homme, moi, je suis un homme, peut-être l'Islam, là, on l'amène. C'est certain, l'Islam, on l'amène là où il faut. Mais lui, c'est un homme. Il y a 20 femmes qui le retournent. C'est pas que je rabaisse les femmes, subhanallah. Mais à Takalif ou Dunia, c'est pour nous. Wajah Ami Aqsa al-Madina Tlajul Yasa. Il a dit, Yaqaw, ittabi'u al-Mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mais suivez-les. Ils n'ont pas venu pour vous demander de sous. Ils ont dit seulement adorer Allah. Ils n'ont pas fait des crimes. Qu'est-ce qui se passe? On attend d'abord ces prophètes, on ne les tue pas. On s'occupe de ce gars-là. On l'attrape. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu es entre la dinim. Toi aussi tu es dans leur religion. Oui. وَمَا لِلَا عَبْدُ اللَّهِ فَتَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. On dit, لَمْ يَقُلْ وَإِلَيْهِ أَرْجَعْ بَلْ أَنْتُمْ تُرْجَعُونَ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Moi, pourquoi je ne vais pas adorer quelqu'un qui m'a créé? Et moi et vous tous, tout le monde va y retourner là-bas. Ils ont voulu le tuer. Et ils l'ont mis pour l'égorger. Lorsqu'ils ont pris l'Asikin, à Wakinda, pour l'égorger, Kola yale taqawmi yalam. Yale taqawmi yalam. Parce que lorsqu'ils ont pris le couteau pour l'égorger, Kela udkhilil janna. Udkhilil janna. À la maana yé. Il y a deux explications là-dessus. Udkhilil janna. Rentre au paradis. Udkhilil janna. Faites-le rentrer au paradis. Moi, c'est, les ulémas nous disent que Habib al-Najjar est rentré au paradis sans, avant qu'on l'égorge. Mais il a en tout cas vu tout ce qui se passe dans le paradis avant qu'on l'égorge. C'est là qu'il a dit, « Qala ya layta qawmi ya'lamun, bima ghafar li rabbi,
وجعلني من المقامين. سبحانه وتعالى. Si ces gens-là pouvaient voir ce que j'ai vu, s'ils pouvaient savoir ce que j'ai su, ce qui est devant moi là, ils allaient suivre les prophètes. Ils n'allaient pas faire ça. S'ils savaient ce que Dieu vient de me donner comme honneur, nous qui fuyons de la mort, moi j'ai peur de mourir. Moi, j'ai peur de mourir. Moi, j'ai peur de tomber malade. Pourquoi? Parce que Iman est daïf. J'ai la foi qui est faible. Quand tu as la foi faible, tu n'as pas peur. Tu n'as peur que Allah subhanahu wa ta'ala. Da'il maqadir tajri fi a'innatiha. Wa la tabitanna illa khaliya al-ba'in. Ma bayna ghamdat aynin wa intibahatiha. Yughayyiru Allah min halin ila halin. Laisse faire les choses. C'est Dieu qui sait comment il fait. C'est lui qui sait quand il fait. C'est lui qui sait comment ça doit se faire. Quand Dieu veut faire à l'autre, en une seule seconde, c'est fini. Masha'a rabbuka yaw. Kulla yawmin huwa hisab. À chaque seconde, et ça tourne, ça vire. Tilka al-ayyamu nudawwiluha bayna an-nas. C'est comme ça la vie. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'a. Wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinaba. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asiyik. Wa min al-yaqin ma tuqarribna min ma yuqarribna bihi jannatak. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dimanche, par exemple.